Malgré une place Saint-Pierre vide en raison du confinement, le pape a délivré sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi en ce jour de Noël. Je prie pour tous ceux qui sont en charge de nos nations, de nos entreprises, de nos organisations internationales, pour qu'ils promeuvent la coopération et non la compétition, et qu'ils cherchent une solution pour chacun, des vaccins pour chacun, en particulier pour les plus vulnérables et ceux qui sont dans le besoin dans toutes les régions de la planète. Que les visages des enfants de Syrie, d'Irak ou du Yémen, qui payent le prix fort de la guerre, ébranlent nos consciences, a plaidé le pape François. Il a lancé un nouvel appel à une fraternité concrète, dépassant la famille, l'ethnie ou la religion, thème qu'il aborde régulièrement depuis le début de la pandémie et auquel il a consacré une encyclique en octobre.